Ça se ressemble. Non, mais si jamais vous voyez une fille dans la rue, vous la voyez danser, ou je sais pas, dans des boîtes de nuit, ou dans des strip clubs, Les gars, enfin. c'est là, une fille qui danse comme Même ça près si de ton avec garage. les cheveux blonds, je vous connais en fait, vous je l'ai croisé, non? J'ai pas votre numéro. Mais pas Nicolas. Ouais, je vais quitter. Ouais. Putain, t'avais eu un problème au pétrole. Un problème au Ouais, pétrole. avec Bonjour. un mec Bonjour, bronzé monsieur. qui avait pris ta voiture ou je sais plus Ah, quoi. si, tu sais. Ouais, Non, ouais. tu sais, frangin, c'est le gars qui voulait une photo là. Ah, 100%, c'était c'est ça. ça, c'est Ouais, le gars c'est qui voulait une ça, photo, oui. mon Dieu. Ok. Et d'ailleurs, vous avez réussi à résoudre le problème ou vous voulez plus jamais recroiser? On l'a plus beaucoup Je crois qu'on l'a recroisé, pas sûrement. Ok. recroisé. Les flics l'ont croisé, mais nous, non. Ok, ça. Vous êtes Pas de chanter? gentil. Non, on n'est pas là pour chanter, on est là pour recruter des demoiselles. Des Ah danseuses. Bonne. Et oui. Un Jimmy, une bonne. En fait, on a pas l'autorisation de la LSPD pour chanter et faire une manifestation de type chantage. Donc du coup, on va chanter pour la police. En fait, on a déjà un contrat et on cherche des jeunes demoiselles pour un chanteur parfait comme moi, quoi. Ouais. C'est un putain de chanteur, ouais. Bah du coup, si Ah, s'il j'en n'y a doute pas de pas. répète, dis rien du tout, bah on Bah n'a plus si rien à tu faire nous ici en trouves les fait. filles, Ouais, on peut commencer, j'attends mais les jeunes. sinon, ouais, c'est Oui, mort. bah en fait, on attend Cameron et puis après on se tire, quoi. Bon, Oui, bah si, du y a coup, pas de soucis, merci on leur d'être fera des passé, questions. parce que là, on va parler un peu. En fait, là, on parle business, hein. Genre, nous, on n'est pas là pour rigoler, même si. Bah voilà, nous, on recrute, on cherche et on a des échéances. Et du coup, il faut qu'on soit Bon, à mais le plus l'heure. simple, ça serait d'aller les chercher en fait, parce que je pense qu'il n'y a Oui. personne qui va se déplacer en fait. Hein. Je Ouais, vous mais avoue de si. faire les À part nous, démarchages. parce Hein. que vous emmerdez, mais sinon, je pense Ouais, que le mais le plus truc, c'est que simple. si on se tire sur le trottoir, voilà quoi, c'est pas très professionnel quoi. Vous voyez? Je vous dis pas de chercher sur le trottoir, je vous dis d'aller à la rencontre des citoyens et citoyennes de cette ville. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que si on envoie sur les antennes, c'est plus simple pour eux, vous voyez. En fait, le truc, c'est qu'on est Bah, dans la pas radiophonie vraiment. aussi, quoi. On va Faut pas pas les oublier trimballer que à l'un n'empêche l'entrée. pas l'autre. Vous pouvez faire un message pour dire s'il y a des danseuses qui sont Ouais, intéressées, vous donnez j'avoue. votre numéro, et en même temps, vous faites du Ouais, ça démarchage dans c'est la pas faux, rue. t'as raison. Ouais, mais le problème de type problématique, c'est que si on cherche dans la rue et qu'il y a des demoiselles qui viennent ici, eh ben on Mais peut non, pas vous être Mais non, dans mais tu deux donnes pas endroits la au lune de deux moments, rendez-vous, quoi. tu Vous donnes donnez ton votre numéro. numéro. Mais vous avez dit que vous chantez pour la LSPD, c'est ça? Mais en fait, le problème, c'est que si je... Moi, je suis une star, hein, faut pas oublier Eh que ben j'ai tu le donnes le statut numéro de... de ton assistant ou tu sais pas qui est à côté de toi, et puis voilà. Oh, mais vous allez baisser d'un ton, madame, je sais Pas tout, besoin de etc. donner ton On numéro à a... toi Sans si tu veux pas le danseuse. donner. Ouais, on est une star, on a des danseurs. En vrai, on peut avoir des danseurs de type efféminé, ça on a, mais on cherche le top du top, quoi. Il faut vous donner les Bah demande aux moyens de Speedy qui chercher. danse pour vous Ouais. alors si vous faites pour eux. Allez, les speedy qui dansent, tu. Non, 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 en fait, Bastien ou on... quoi? Mais en fait, là, on vous dit trop d'informations de type confidentiel et on est sous contrat, donc... Oh mon Oh dieu, non! c'est une Je vois grosse pas ce blague. qu'il y avait de Mais confidentiel là, de ce que vous nous avez Jimmy. dit. Vous pensez que Jimmy Johnny c'est une blague, madame, là? Un Ah peu. oui, c'est une grosse blague. Non, mais Oui. Jimmy Johnny, tu peux pas comprendre, madame. Je sais pas d'où vous venez, mais. Ça, c'est les. Ça, c'est ce que je te disais, tu vois. C'est les meufs qui viennent de la ville, qui se prennent trop au sérieux. Ça y est, se mettre en scène, en string, etc., pour danser devant 50 personnes, ça y est, c'est trop pour elles, quoi. Mais non, mais Genre, c'est il y a ça. un moment où faut vivre Y de a sa un moment passion. où, tu sais quoi, je vais te dire la vérité. Hein. Y a un moment où ça serait un vrai artiste. Allez, pourquoi pas. Mais alors toi, mon gars, t'as plus l'air du branquignol que de l'artiste. Allez. Bon, Bon, frangin, moi je me casse parce que artiste là. clairement, Eh oh. on perd notre temps, mais de ouf, quoi. Bah allez-y, bah allez dégager, y a pas de problème, madame. Elle va le regretter, elle, Non, hein. je suis sûr. Oh là là, dans Je pense quelques pas que années, t'as quand le je passerai à la télé, elle va le regretter, hein. Non mais laisse tomber, elle peut pas comprendre. T'es un artiste Merci. incompris, comme je te l'ai dit. D'accord, c'est gentil à C'est vous pas vrai. aussi. C'est pas faux. Enfin ouais, du C'est coup pas c'est vrai faux. quoi. Faites le démarchage C'est vrai. vous-même pour trouver les danseuses, vous aurez Yes, beaucoup plus ça de chances de marche. le faire. Bah merci monsieur. Merci du conseil, Nicolas. De Mais du rien. coup en fait on a déjà fait les démarches de style radiophonie quoi. Ouais. Mais maintenant donnez un Parce que rendez-vous ça, ici. l'annonce, c'est écrit ça dessus. Ouais. Papa. Oui, Après, mais. on a eu des petits problèmes de type orthographique, Oui, mais phrase qui veut donnez-vous dire quelque vraiment chose, la quoi. peine. Faites un Ouais. message en donnant un numéro où les gens peuvent contacter s'ils sont intéressés et aller chercher les gens aussi Tu sais dans la qu'est-ce qu'on rue va et faire, tout. je pense. On va faire un message sur Life Invader, comme ça tout le monde peut le voir, tu vois. Aussi, voilà, Ça donc il faut motive vraiment les validé, tu moyens. vois. Y'a pas tout le monde qui est là-dessus, Non. hein.
Eh, vas-y, mettons en scène sur la scène. Non. Ah, en photo? Ouais, vas-y. Ouais, Jimmy. Tu prends la photo? Ah oh. Ah, vous voulez passer un entretien de type danseuse? Alors, attends, Cameron. Si vous sentez là maintenant. Oui, mais c'est pas pour maintenant en fait. Maintenant qu'on en a besoin. Ah, ouais, mais regardez. Je vous fais un deal. Vous chantez, je vois ce que vous donnez. Et je danse, comme ça vous voyez ce que je donne. Et on voit si on peut travailler ensemble. Eh ben, faisons ça. Mais du coup, il faut que personne soit là dans l'entourage avec nous, quoi. Parce qu'en fait, j'ai pas le droit de chanter en public, quoi. Faut qu'ils soient en symbiose avec la personne destinée. Notre gueule. Non, mais c'est surtout que les policiers m'ont dit, si on t'attrape en train de chanter en public, eh ben, on peut te mettre cher. Et moi, j'ai envie de gagner de l'argent. Mais tu nous as cru pour des débiles, ou quoi? Tu crois qu'on va croire ça, hein? Non, mais c'est vrai, non, mais... Mais allez question... voir au commissariat, demandez l'inspecteur général. Ah, je me souviens plus. C'est quoi son requin, nom à l'autre? Requin. Le requin. Lui, le il m'a dit si on t'attrape en train de chanter en public, on te défonce. Et c'est lui qui m'a proposé ce deal de chanter pour la LSPD. Oh, le petit déhanché là. Et lui, il rigole. Pas terrible. Mais alors, vous croyez qu'on va vous dénoncer? Ah, oh, il a chanté. Et moi, j'ai une question. Niveau tenue, ça se passe comment? Ah. Ah. Niveau tenue, il faut être. Est-ce que vous connaissez. String, donc fais gaffe, hein. Non. Est-ce que vous connaissez Claude François? Oui. Et ben en fait, moi je suis son sosie officiel, je suis Claude François l'américain. Et je cherche deux. Bon, comme je m'appelle Jimmy, et ben. Des Jimettes. C'est des Jimettes. Ouais. Et je cherche deux Jimettes. Et la tenue, ça sera des tenues de type attrayant pour l'œil, quoi. De type ficelle. Ah. Non, mais après, on peut négocier, ça se négocie. Tout est négociable dans le contrat. Parce qu'en vrai, en fait, petit aparté. Ouais, vas-y. En fait, vu que c'est pour la police, peut-être qu'il faut pas trop être dénudé, sinon on va avoir des problèmes. Ouais, c'est pas faux, ouais. Tu vois, donc, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit déguisée en drapeau américain. Ouais, c'est ça, putain, j'ai pensé à la même chose, j'allais te dire la même chose, putain. Et comme ça, ok, on fait ça, du coup? Ouais, c'est ce que j'ai pensé, mec. Vas-y, go. Ouais, du coup, on s'est consulté avec mon manager et en fait, ce serait une tenue de style américaine, un peu comme moi, mais en mode drapeau, quoi. En mode drapeau? Ouais, vous voyez, en mode conformiste américain, tu vois, genre pas extrémiste, mais voilà quoi, dans le ton, quoi. Dans le même ton que Jimmy, quoi. Et du coup, c'est payé? Ouais, c'est payé, ouais. Vous avez cru que j'étais un petit artiste, moi? Bien sûr qu'on paye tous nos. On paye tout. Ça dépend de la prestation de la demoiselle John. Si je vois qu'elle a fait vraiment du très bon boulot, je peux aller très loin. Mais sinon, si je vois que... Dis les prix. 500, je peux pas s'attendre bien payé. On va dire 2500 pour... What? Attendez, laisse-le finir. 2500 pour la danse, on va dire correcte. Et 1500 pour une petite joueuse, quoi. Voilà, danse comme ça. Ouais, ça c'est petite joueuse. Ouais, ça c'est petite joueuse, ça. Ok. Et l'autre danse, c'est combien? 2500. Et c'est pour 5 minutes de show, mercredi 21h. D'accord, mais sinon, vous pouvez monter les prix ou pas? Mais pourquoi je devrais monter les prix, madame? Ben, parce que je suis un peu... la DRH, avec mon père, j'ai la société de verre, tu vois, donc 2500 $, bah non, quoi. Après, allez. Ça dépend, si tu penses qu'à l'argent, tu vois, on n'est pas des capitalistes, tu vois. C'est vrai que nous... Ouais, mais non, c'est l'argent, carrément. Je croyais que c'était une grande star, il doit être bien payé. Ouais, mais nous, c'est d'abord le projet artistique qui nous intéresse, quoi. On va dire, tu vois, je te paye 2500. On voit que ça marche, ça fonctionne, tu vois. La prochaine tournée, tu la fais à 10 000, tu vois. Ouais, je sais pas. Faut que je réfléchisse à ça. Je sais pas, ça dépend, tu vois. C'est mais vous voulez plus travailler dans le verre? Bah non, tu vois, maintenant, on peut... Voilà, quoi. J'ai Jimmy qui m'a rejoint dans la ville, j'ai envie de te dire, tu profites de son talent, tu vois. Il vient de revenir, faut que je le fasse tourner, tu vois. Ouais, j'avoue, et puis là, il a un sacré tourner. Style. Profite de vous. Ah ouais, il a la classe comme ça, hein. Ah, c'est vrai que vous êtes pas la première à me le dire, hein. Avec la petite moustache comme ça. Et ouais. Bah, ça c'est pour rappeler aux gens que on est américain avant tout, quoi. Et pour les dames aussi. Et vos cheveux, dites-moi, c'est votre couleur naturelle? Non, je crois pas. La moustache, elle est un petit peu. On prend soin de nous, hein. En fait, le problème c'est qu'on est artiste.
bah, on doit toujours être au top, que ce soit musicalement ou têtement. Et du coup, je suis au top tout le temps, dans mes cheveux, dans ma moustache et dans d'autres parties de mon anatomie que je ne peux pas dire ici, quoi. Ouais. D'accord, ouais, effectivement. Et ouais, je vais réfléchir quand même à votre proposition. Après, on vous laisse réfléchir, hein, mais les places, elles partent vite. Hein. Déjà, aujourd'hui, on a eu combien de personnes, Freddy, déjà? Ouais, beaucoup, ouais. D'accord, mais et attendez, mais c'est privé, genre, si je danse pas, je peux payer et rentrer quand même, ou c'est vraiment privé? Non, non, c'est... Non, c'est oh là. Que la... Ouais, non, c'est... Ouais, ouais, possible. C'est... Et si tu te pointes là-bas, tu peux prendre ça. Ah ouais, ouais, mais si je vole la tenue d'un agent de police, y a moyen de... Ouais. Je conseille. Ouais, mais... Voilà. Oh, parce le sergent chef, qui peuvent regarder. Oui, mais c'est un concert privé, en fait. En fait... Tant que le gouvernement, bah, il est en RTT congé maternité là, et ben bah, on peut pas faire de show de style public, quoi. Donc c'est que des, ouais, shows privés, c'est des, comme on dit, c'est dans le milieu, soir. C'est des showcase. Quoi. Bonsoir messieurs. Bon, c'est bien que vous allez voir trop le plus en public. Bonsoir. 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 Vous venez pour la danse? Ah bah on vient pour tout là, le concert et tout ça. Hein. Ah ouais, alors. Ah le problème c'est que. Combien de détails? Y a rien du tout en fait. C'est pas un concert. Si, si, il y a, mais en fait, il faut venir en string, ficelle, enfin, ils ont dit. Non, non, et... non, non, c'était une erreur. Complètement nos propos, ah, putain. Et il a dit les danses comme ça, c'était pas prévu non plus. Mais ça, c'est des danses que le moindre danseur de style danseur, il sait faire, quoi. Nous, on cherche le haut du panier. Le public qui sera autorisé, c'est les flics. Vous vous rendez compte? Ouais, c'est nul. Ah, merde. C'est n'importe quoi. Hein. Après, vous pouvez faire pression sur le gouvernement pour avoir des... Parce que là, en fait, on a réservé cette salle, tout est bon niveau salle, et c'est la police qui bloque, quoi. On n'a pas le droit, quoi. C'est ça. En fait, les événements publics sont interdits en ce moment, donc... Sinon, on aurait bien voulu faire une tournée, tu vois, parce que c'est quand même un putain d'amphithéâtre, si tu veux. Mais si c'est que la police ne nous autorise pas, parce que... Bah parce après, qu'il y a vous des pouvez filtrer les moment, entrées et compter, non? Ouais, mais non, même pas, tu vois. On dit comme quoi c'est interdit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, on est en stand-by. Dès que ça s'arrange, j'en peux. Mais pour l'instant, c'est que des shows privés, quoi. On va pas se mentir, mais pour l'instant, c'est un coup dur pour ma carrière, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on a quand même une grosse opportunité. Vous allez voir personne. Non, mais le mec est habitué quand même à avoir des putains de stats, tu vois. Genre, il a fait une tournée de ouf, tu vois. Bah, le dernier concert. Non, non, en fait, on peut pas chanter. On n'a pas le droit. C'est dans les lois de loi, quoi. Mais pour vous donner une idée, le dernier concert. C'était quoi? C'était il y a 4-5 heures. On a fait 154 personnes. Ouais. Oui. Oui. Ouais, ouais, non, mais on n'est pas vous là pour rigoler. Vous avez fait une entrée en hélicoptère, tout ça? Non, non, oula, non, non. Non, c'est plus moto. Ah, c'était en tyrolienne, non? Non, non, c'était juste en mode moi, ma voix. Bon, c'était une berceuse. C'était dans un domaine encore un peu privé, donc je peux pas plus vous en dire. Mais. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de monde. Par contre, il faut que vous fassiez gaffe quand vous allez brancher les prises, hein. Ouais, pourquoi les prises? Souvent on me dit ça et je vois pas le rapport avec Jimmy Johnny, quoi. J'ai pas compris aussi, Jimmy. Mais mais voilà, bah du coup on cherche, hein. Mais là en fait on a que des hommes de type masculin qui viennent. Ouais. Donc je pense qu'on va refaire une agence, on va refaire une annonce de type plus qualitatif tout à l'heure, quoi. C'est ici le concert de Jimmy Jimmy? C'est Jimmy Johnny. Ouais, comme ça, c'était marqué ça sur l'annonce. Par contre, c'est vraiment nul qu'il y ait que les Speedy qui a le droit de voir. Bah ouais, c'est con. Après, vous pouvez faire pression, hein. Bah, c'est à vous, portez vos couilles, faites un truc illégal et puis c'est tout. Hein. Bah ouais, c'est votre concert là, vous êtes connu dans le monde entier. Vous savez, si vous organisez hors vue des flics et que tout arrive tous, les flics ils pourront rien faire s'il y a tant de monde, hein. Bah, en fait, le truc c'est que d'abord, on attend mercredi 21h. Pour avoir ça, et puis une fois que ce contrat est... Nous, on est des hommes de parole, on est des vrais Américains, et on respecte les contrats au mot, quoi, au mot près, tu vois. Et d'abord, on fait ça, et après, on voit, parce que là, il y a quand même un contrat. Enfin, on n'est pas des amateurs, quoi. Après, vous voyez, si là, j'ai entendu qu'il y avait une RH, si des fois, vous voulez un show privé... Que vous voulez que vous avez un bon endroit, une bonne petite salle, franchement, on est prêt à se déplacer, quoi. Après, faut y mettre le prix, tu vois.
D'accord, mais genre, vous avez un prix, vous pouvez me dire à peu près. Concertation, pas. Concertation. Vas-y. Concertation. Ouais, concertation. Vas-y. Ah, tu veux de ton côté? Ouais, vas-y. C'est bon. Ah merde, attends. Des professionnels qui disent. Non. Ouais, du coup, moi je pense qu'il faut qu'on soit honnête et on dit on a été payé pour l'instant 2300 pour les poulets et 30 000 pour truc. Donc voilà, ça dépend de la prestation qu'ils veulent, quoi. Ouais, tu vois, pire, on leur dit qu'est-ce que vous voulez, quels sont les prix que vous acceptez et voilà, quoi. Ouais, go faire ça. Mais pas de prix, tu vois. Ouais. C'est ça, tout à fait. Bah, pour faire une présentation. Bon. Ah, moi, tu veux danser en string. Du coup, on a réfléchi à... Ah non, moi, je suis pas très string. Les dernières prestations qu'on a fait, donc... on a fait un tour quelque part où ils nous ont payé 2500, mais c'était vraiment une très petite prestation, on va dire. Ouais. Et là, l'événement qu'on a bientôt, c'est quand même du très gros chiffre, vous voyez. Et donc, c'est combien après, de minutes de show ça dépend de la somme. Jimmy Johnny a combien de titres à son actif? Il a quand même fait au moins 5 tournées dans toutes. Ouais, mais dans de titres. De vrais titres. En fait, le problème, c'est que c'était dans une autre langue. Et là, pour l'instant, on est sur 3 tubes. Vraiment, c'est vraiment des tubes de l'été, quoi. Et vous avez un nom ou pas? Ouais, et le nom des tubes. C'est Jimmy Johnny. On peut vous trouver sur original. Spotify ou des trucs. Ouais, original. Ouais, vous pouvez trouver sur Spotify, mais. Mais en fait, c'était sur un autre nom d'artiste et... C'est ton pseudonyme, non? Allô? Il a peut-être un pseudonyme. Oui. Ouais, mais... Est-ce que je lui donne... Je sais pas si c'est RP. Ouais. Hein. Ah, bah, le problème, c'est que je faisais ça quand j'étais jeune, quoi. Et du coup... Est-ce que j'ai le droit... Dites-moi, je sais pas si c'est RP ou pas. De lui dire, vas-y, va sur Spotify et tape « C'est enfin l'été ». Il a quel âge? Je lui donne 35 ans, non? Je sais pas si tu peux ou pas. Quel âge, Jimmy? C'est pas RP, je crois. Vécu quand même. Moi oui, j'ai 28 ans, moi. Comment? D'accord. Mais en fait, c'est la moustache qui vieillit, quoi. Ouais, c'est pas faux, Jimmy. Et du coup, si vous voulez mettre le prix, je sais pas, proposer. C'est pas si j'ai le droit en vrai. Après, ça dépend des conditions, vous voyez, tu sais. C'est à vous de donner vos prix. Vous faites un concert pour 10 000? Non. Ouais, ça peut être franchement. Un concert de combien de temps? Combien de temps il pourrait durer votre concert? Ça dépend de vos envies, de vos attentes. Vous voyez, on s'adapte quand même au public. Vous, voyez, vous pouvez faire combien de tubes là? Pour 10 000, vous chantez combien de tubes? Mais en fait, pour 10 000, bah du coup, on a fait. Attends, 2 000. On va prendre parce qu'on a une grille de type tarifaire. Donc, perceuse 2500. Ouais, 2500, c'était la perceuse. Du coup, ça partirait sur. National 30 000. Ouais, du coup, ça partirait sur 4 petites chansons de type de tout style en fait. Il y a deux meufs qui arrivent là-bas. Les chansons, elles durent combien de temps à peu près? Ça va de 45 secondes à 2 minutes quoi. Ouais, 2 minutes, ok. Ouais, 4 chansons de 2 minutes, c'est quand même pour 10 minutes. Est-ce que monsieur Jimmy Johnny a une sécurité rapprochée? C'est la LSPD qui s'en charge quoi. Ouais. D'accord. Oh, attendez, désolé de vous interrompre dans cette discussion, mais je crois qu'on a de charmantes demoiselles. Bonsoir. C'est moi, oh, mais c'est Free ça! Pour la recherche en fait. Bonsoir. Je sais pas si vous avez vu l'annonce. Si, moi j'ai vu l'annonce. Ouais, c'est par rapport à l'annonce. Donc je vous présente Jimmy Johnny. Donc, bonsoir. Cette personne qui est l'artiste bien sûr connu dans tout le Los Angeles. 2016, le serveur, la chanson n'est pas encore faite. Avec ses plusieurs tournées dans les States. Allez, bon, là il est revenu en ce moment sur ses terres natales donc. Il y a une tournée prévue demain vers 21h et on recherche des danseuses en fait. Wow. Ouais. Attends, c'est demain ou c'est après-demain de ce jour même? C'est après. Non, c'est demain de ce jour même. Ok, ouais, donc du coup, c'est mercredi de ce. Voilà. T'as tout compris. Ouais. Ok, mercredi 21h. Moi, je serai disponible après, faut voir si je vous conviens. Ouais, bah pourquoi pas, on fait un petit essai, Jimmy. Bonsoir. Demain, on viendra faire un essai, d'accord? J'ai un groupe de filles également. Ah ouais, putain, parfait, c'est combien de nanettes? Bah je sais pas combien ce qu'on présente, mais je peux, voilà.
J'ai d'en emmener un maximum. Si vous voulez, je note votre numéro et on s'appelle. Ouais, y'a pas de soucis. Mais du coup, moi ce qu'on fait, parce que là en fait le problème c'est que au début c'était juste censé être un casting hashtag recrutement. Et du coup, là il y a beaucoup de monde parce qu'on a un peu raté l'annonce. Moi ce que je vous propose c'est que vous preniez le numéro de mon agent, qui est ici même à ma droite. Et du coup, il voit un peu toutes les affaires de type rendez-vous. Pendant que je vais aller répéter quoi. Ouais, y'a pas de soucis. Après, faut savoir qu'on est des anciens professionnels. Hein. Ah ouais, carrément. Bah oui. venez madame, on va s'échanger notre numéro de téléphone, c'est pas... Bien suite. Non, ça sera pas bien. Bon, du coup, messieurs, dames, moi ce que je vous dis, c'est que là on a un rendez-vous mercredi pour la police. Et n'hésitez pas à mettre pression sur les policiers si vous voulez assister au show. Et du coup, désolé parce que ça sera un show de type que pour nous quoi. Donc voilà, après, de toute façon, il y a mon agent là-bas qui s'occupe de ma carrière un peu. Donc voilà. D'accord. Okay, très bien. Et puis merci d'être venu et puis désolé de pas... Après on s'est un peu trompé dans le type de message radiophonique. Ouais, vous êtes bien trompé. Ouais, c'est pas gentil l'annonce. Je vous l'ai dit Johnny. Ouais, je pense que c'était aujourd'hui Jimmy. Non, c'est mercredi à 21h, mais c'est vrai qu'on s'est un peu trompé, donc toutes mes mille excuses. Et puis, Je dis vous êtes pas trompé, mais vous avez eu la pression dès que tout le monde est arrivé et vous voulez plus chanter. Non, vraiment. Moi, vous savez. C'est peut-être un arnaqueur. Moi, vous savez, la chanson, c'est ma passion. Et du coup, je fais ça. Enfin, moi, je chante tout le temps, quoi. Le matin, je chante. Le midi, je chante. Le soir, je chante. Et là, vous voulez pas chanter pour nous. Et en fait, j'ai pas le droit en fait. Pour le déplacement, vous avez pas le droit. Content que déjà il se présente et tout à vous. C'est sympa de sa part. Franchement, des stars comme ça qui viennent devant leur public, c'est sympa, tu vois. On a eu une annonce faite qui est pas tenue. Je me tâte à appeler les flics en fait. J'ai des soucis avec l'orthographe et. Je me tâte à appeler les flics. C'est votre faute, c'est vous l'agent en plus. Bon, attention, parlez bien de mon. On va faire de la mauvaise pub. Hein. Ah, il a fait une faute grave alors. Mais non. Eh, franchement, on a été gentil, ça se voit. Allez, une chanson, ça prend quoi? Une petite chanson là. Ouais, ou alors des places VIP mercredi. Ah ouais, ça, on peut. Mais non, il y a que les flics qui ont le droit, on a pas le droit. Après, peut-être qu'on peut négocier des places en plus quoi. Mais c'est vrai que normalement c'est réservé pour les cadets et pour les officiers. Après, ou alors en after avec les danseuses. Ouais mais ça c'était dans notre plan déjà nous avec Freddy quoi, genre Faire partager, faut faire croquer à tout le monde hein. Ouais je mais en là, fait ça se fait perso. Si on veut regardez, devenir on artiste s'est présenté là. Ah c'est vrai, dit c'est que c'était aujourd'hui. À une heure si tardive en plus on arrive, ouais. On vient pour voir un petit show puis arriver là. tu veux pas faire une petite concertation au pire vas-y. OK, petite concertation. Pour savoir où elle est. Et franchement je pense pas que les flics vont nous faire chier, donc si tu veux te faire déjà connaître et faire de la bonne pub, là ça peut être le bon moyen, tu vois. Ouais, mais le truc c'est que le but c'est de chanter. Tiens, on s'était toujours promis, souviens-toi, que si je chante, c'est contre de l'argent et là y a pas d'argent quoi. Bah, au pire, je peux un peu discuter avec eux. Peut-être le temps, toi tu te mets sur la scène, tu t'échauffes un peu et si je fais ton show, qui me donne au moins, on va te dire. Un petit 2000, 3000 ou 4000, tu vois, je commence à venir vers toi et je te dis ok c'est bon, on est prêt. C'est chaud ou pas? Non, c'est chaud, en vrai je le sens pas. D'abord on fait le truc mercredi parce qu'il faut que j'échauffe ma voix. Et après mercredi on voit, tu vois. Vas-y on fait ça, vas-y mais tu sais quoi, on leur dit une prochaine fois faut que tu gardes ta voix. Vas-y ça roule, go faire vas-y, ça. Vas-y ça roule. Ouais on a un peu discuté alors. Y'a du flow. Donc vous savez, pour l'instant, ça va pas être possible pour une petite chanson, mais franchement, ce qu'on a pensé, c'est que vu que Clay regarde, c'est du playback. Non, mais hein. Bon, en tout cas, c'est je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, madame. Bonne soirée. Merci. Mais franchement, dès qu'il aura fini son concert pour les Speedy, si vous voulez, on va peut-être commencer les choses sérieuses pour les citoyens honnêtes, tu vois. Donc après, il faudra mettre le prix, quoi. Non, là, à la rigueur, pendant que j'y pense,
Pour votre concert, les SPD, glissez un petit mot comme quoi vous autorisez la société de sécurité privée à venir profiter aussi un peu. On peut, au pire, on peut demander aller au commissariat. Ils nous aiment bien, donc il y a peut-être moyen. Ah, vas-y, ça roule. Et ben, on va donc faire le ça, prochain concert, c'est que pour les SPD. Ouais, c'est ça, mais on va faire pour rien. Mais regardez, il y a plein de places, on peut pas se faire un petit chemin au fond. Mais en fait, c'est pas ici. Depuis le début, moi et mon artiste. Ah non, je viens d'arriver, moi. Ne peut pas, en fait. On est interdit. Ouais, je viens d'arriver aussi. Non, on vient de comprendre. Allez, rien que pour vous, je vais vous faire une petite chansonnette, parce que là, En fait, bah, pas maintenant, tout le monde est parti. En fait, ouais, mais justement, il y avait des gens de type haut responsable, tu vois. Et en fait, les haut responsables, moi, me méfie des gars qui viennent de la ville. Et là, tu vois, genre, moi, je vois que vous êtes des vrais, quoi. Ouais. On aspire à la confiance. Ouais, c'est ça que tu veux dire, quoi. Ça se voit direct. Ouais, après, peut-être sauf un que j'ai pas trop confiance dans le groupe de trois. Mais par souci de. Voilà, je vais rien dire. Mais voilà. C'est parce que je suis noir, c'est ça? Non, pas du tout. Non, on a pas dit ça, mais. Mais il a pas dit ça. Ah, Jimmy, t'as pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça, mais. Ouais. Mais c'est vrai que. J'ai pas dit ça, hein. Parce que, en fait, je connais j'ai un ami noir, donc du coup, jamais je dirais ça, quoi. Ouais, bon, vas-y, on va chanter. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, parfait. Je suis un peu raciste, hein, n'oubliez pas. Du coup, je chante quoi? Je reviens, je vais juste consulter un peu mon type de. Ouais, vas-y. Ok, ok. Pourtant. Bon, je rechante quoi là? C'est bien que Jul. Je chantais quoi? Une musique? Je connais pas. Non, je vais pas, c'est enfin l'été, arrêtez les gens. Ok, Los Santos. C'était une ville qui était dans. Ok, c'est bon, j'ai une vie. Bon, je vous préviens tout de suite, c'est pas la meilleure chanson de mon interprétation, quoi. Ça nous suffira. Mais bon. Vas-y, fais péter. Oh, allumez le feu. Allumez le feu. Le feu. À Los Santos. C'est pas une ville pour les gays. C'est pas gentil. Ouais. Allumez le feu. Allumez le feu. Car Los Santos. Il y a Jimmy Johnny. Oh là là. Jimmy Johnny. What, Jimmy Johnny? Ouais. Putain, ça te déchire. Vous voyez, ça manque des classe, effets, quand même là, des flammes sur les côtés et tout. Bravo Jimmy. Après, je vous avais dit que là c'était un manque de budget là quand même, hein. Bah ouais, mais là c'est un truc, vous voyez, il y a pas les danseuses, il y a pas les sonos, c'est la classe, quoi. C'est à capella, quoi. Ouais, c'est à capella, quoi. Moi je suis c'est, fan, moi, c'est je suis qu'un fan. Extrait de la chanson ou c'est tout le concert parce que. Non, mais là c'est un extrait. Après, en fait, le problème c'est qu'il faut payer, quoi. Là déjà, honnêtement, ah oui, normalement sûr, on fait payer. Hein. Donc là c'est gratuit, quoi. Bah. Ouais. Là c'est l'extrait. Peu... C'est les 10 secondes gratos, quoi. Ouais, mais on a un c'est peu combien public VIP là. Ouais. On a un peu le public. On est quand même proche, les seuls là. À être restés là. Ouais, mais faut voir avec le manager niveau prix, quoi. Oui, il faut bien qu'il vive, faut bien que Jimmy vive. Bien. Mais si c'est une star célèbre, il est. Ouais, mais vous savez, il est dans sa terre natale et en ce moment, c'est dur la vie ici à Los Santos, hein, Jimmy. Ouais, t'as raison, Freddy. Ah bah non, moi en tant que fan, s'il faut payer, faut payer. Ouais, voilà, ça c'est un vrai mec, tu vois. C'est, ah ouais. Tu vois. C'est là on les remarque, tu vois. Mais de toute façon, comme j'avais dit, hein, il y en a certains où on fait confiance et. Comme par hasard, il y en a d'autres où on fait pas confiance, bah ouais, quoi. C'est ça, tu vois. Y'a qui fait le fond? Ouais, là, par contre, je t'avoue, je suis un peu à la dèche, mais s'il faut payer, je payerai. Et c'est combien une place de concert? Oh, c'est pas cher. Pas cher, c'est-à-dire? Bah, ça dépend le lieu. Tu vois, genre ici, ça serait, je pense, un petit 3000 les places ici, là, dans le Pogo. Bah ouais, c'est le Pogo. Tu crois quoi? Tu vois l'artiste, tu peux carrément le toucher. Ouais, il y a ma sueur aussi. Et après, n'oubliez pas qu'il va y avoir les danseuses. Hein. Ah, ouais, les danseuses, c'est pas là, de. Ouais, mais si on veut des danseuses, ici, on veut Unicorn et. Eh, franchement, Jimmy, tu te mets ici, tu vois tout, on est d'accord.
Ouais, et voilà. Ouais, j'avoue, tu vois et ici. Pour 3000, tu vois franchement, tout, quoi. Pour 3000. Et pour 3000, franchement, je trouve que c'est rentable. Hein. J'avoue. Et ouais. Mais vous après, c'est. Une voiture à la fin. Sinon, après, vous pouvez être derrière et tout, et c'est pas cher. Hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, et que t'entends derrière pas cher. Derrière où et pas cher comment? Bah, juste là, juste là. Là, les places. Mais après, ça, c'est les places. On va pas se mentir, c'est pas pour les vrais fans quoi. Mais voilà, genre tu peux t'asseoir vous en ici. Vous avez beaucoup des vrais fans. Bah bien sûr. Moi je suis un vrai fan là. On monte quand même à. Ouais, je vais pas dire le chiffre parce que c'est indécent, mais ouais, on a plus de la moitié fans, de l'Amérique quoi. Ah ouais, quand même. Ah putain. Ah ouais. Oula. Enfin voilà, en tout cas, merci à vous d'être venus, messieurs. Et bah peut-être pour le prochain show. De toute façon, vous pouvez me retrouver sur le réseau social de type social pour me retrouver plus d'infos sur nos places de concert. Et voilà quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait la photo. On est obligé de réserver la place ou on peut débarquer c'est à l'improviste. C'est quoi du coup si je peux te retrouver sur. C'est sur Jimmy le, Johnny. Le réseau. En fait, c'est Jimmy comme Johnny, ça se prononce, mais avec plein de M et plein de N quoi. Combien okay. Ok. Bon, du coup, bonne soirée à vous, messieurs. Désolé pour la fausse annonce. Et puis, mais là, on a du travail avec mon agent de type artistique, quoi. Ouais, pas de problème. Vous avez beaucoup de travail, à mon avis, ouais. Ouais, un peu, quoi. Ouais. Allez, bonne soirée, messieurs. Bonne soirée à vous. Ouais, c'est ça, bonne soirée.